Salut, c'est Jean-Michel Desabutiens pour une vidéo de récap de tournoi et d'échange, tout ça. Donc, j'ai chopé à l'échange une falaise Naturia. J'en recherche deux. Je recherche le synchro Naturia, Tulip Naturia et Cerise Naturia. Donc voilà, j'en recherche deux falaises. Récap le Battle Pack. Mise initiale. Insecte tronçonneuse. Diapason de canard, il y avait une aile noire mais elle est partie en échange en Starfall. Voilà. Récap du TU, abattement de queue en rare, copie pont et Kogé ninja courageux. Récap des boosters, retour du dévistes, challenger héroïque, marteau, quelque chose de guerre, pas d'échange. Ce spadassin magique, pas à l'échange. C'est froid, à l'échange. Challenger héroïque, double lame en rare, pas à l'échange. Masque de dommage, pas à l'échange. Métal de son, pas à l'échange. La force de génération, à l'échange. Cocher de la prophétie, pas à l'échange. Et brûlant, pas à l'échange, c'est de mon équipe. Voilà. Ça, c'est un retour du touriste. Le deuxième, donc un florent bête mystique de la forêt, à l'échange, régénérateur habillé, à l'échange, anixis, pas d'échange, crâne de cristal chronomal en rare, pas d'échange, château magidoche, pas d'échange, leçon magidoche, pas d'échange, on cherche deux fois les deux cartes là, majeur, deux scott, magidoche. On cherche deux fois encore. Codette. Mérable, magie d'os. On cherche deux fois, pas d'échange. Et Jet Doré Chronomal, pas d'échange. On cherche deux fois aussi. Donc voilà pour le booster que j'ai acheté. Ce que j'ai chopé, Donc, j'ai chopé un numéro 17, Dragon Léviathan. Et ça fait quoi hein? J'ai chopé le Dragon et les Seigneurs des Explosions en ulti. Ça fait quoi d'autre? Non. Alors ça fait là. Là j'ai chopé Dragon Uratique de nuit, Dragon Uratique du roi Dragon, Dragon Uratique de net, je sais pas si on voit bien, de net. Dragon erratique d'Hazard et Dragon erratique de Seigneur Dragon Soleil. Voilà. Après, je suis au moi. Et j'ai fait un Jinzo. Et voilà. Je crois que c'est tout dans ce cas-là. À part en dessous que j'ai chopé mon truc, j'ai chopé Emilia Lichki. Oh super, j'ai chopé Magicien d'Agenda en Starfile, il me l'a fallu, donc ça tombe bien. Donc là, rien. Donc voilà, je ne sais plus que ça. Voilà, c'était le monsieur de 2001 pour... attends, je vais vous dire mon résultat du tournoi. Donc, premier match. Je tombe contre un mec qui joue guerrier. Je le bats 2-0.
après, je joue pas. Donc c'est comme une victoire. Après, je perds 2-1 contre Amez. Et après, contre R23, je perds 2-0 contre Chaos Dragon. Donc c'est puissant. Je pouvais rien contrer. En plus, j'avais pas une bonne main. J'avais même sur la main, au départ, j'avais des cartes magie. Je pouvais rien faire. À part les contrer sur l'attaque, c'est tout. Avec un souvenir magique ou une force miroir. Mais à part ça, je pouvais rien faire. Sur les deux mains, j'ai rien chopé, même pas un seul monstre. Hop. Il m'a battu 2-0 carrément. Avec son Chaos Dragon. Même s'il n'est pas complet, il est quand même assez fort. Il tourne bien. Pourtant, il n'est pas allé très très loin. Et il a quand même battu. Donc voilà. Donc, bien joué. Rayard 23. Aussi, gros coup de pub à un mec. Son pseudo YouTube, c'est Mimi Yu-Gi-Oh. Donc, salut à lui. Donc, j'espère que les chances t'auront convenu au tournoi. Et je voudrais bien savoir ton résultat au tournoi, si t'as allé enregistrer en finale, et si t'es resté en demi-finale contre Nico. Donc peut-être que t'as gagné, peut-être que t'as perdu, je sais pas. Il faut te voir, ou contre Titan avec une tomate, avec une dev. Ou contre... comment il s'appelle déjà? Contre le mec qui est en face, qui joue avec contre toi en même ténébreux là. J'espère que vous êtes allés loin tous ensemble. La bande de 4. Plus moi, ça fait 5. Enfin, plus tout le monde, ça fait tout le monde. Donc voilà. Aussi, je vends toutes mes cartes vidéo, donc à l'unité ou par lot. À vous de voir, quelqu'un que vous voulez. Je peux vendre tout. Voilà. Salut, à une prochaine vidéo.